Ouais, c'est tout ça assorti du... Assorti de... ouais. C'est beau, hein, ça. Alors c'est marrant, parce que là il faut vraiment tout peigner, hein. Ça c'est important. Ah, attends, oui. J'ai vu un gobage là-bas. Oui. Ah, oui. Elle est bien placée chaque fois, hein, la mouche. Oui, parce que vu comme tu passes et tout, de partout, c'est qu'il n'y a pas d'activité. Toi, dans ce retour, là, il devrait y avoir quelque chose, là. Hop là! Voilà, c'est ce qui me semblait. Hein. Petit, pas gros. Hein. Là, je sentirais bien un bel ombre. Tu vas couler là? Oui. C'est un joli poste, hein, oui. Passer aussi dans le... Non mais je vais y passer après. Ouais. Oh là là, bien là, là c'est bon ça. Putain, t'as vu? On dirait un ombre ça. Ouais, et ça fait ils montent, ils prennent pas. Oui, oh là là, c'était beau ça. Juste dessous les branches là-bas. Ah oui, putain, c'est plus joli. Et là, c'est plus gros. C'est plus joli. On va faire plus attention sur les bordures encore. La mouche est où là? Dans l'eau. Dans l'eau. Je vais faire progressivement. Oui, il faut refaire progressivement, mètre par mètre. Toi, j'ai négligé la partie de gauche quand même. Hein. Et j'ai négligé un peu. On va faire un petit peu la partie de gauche. Là, le trou, il est un peu plus grand là, donc tout est bon. Hein. Je sais pas où est ma mouche là. Là, il faudrait presque changer de mouche parce que je crois que tout à l'heure, ce poisson, il m'a refusé. Hein. Ah, je sais pas où est ma mouche là. Là-bas, il y en a eu un tout à l'heure. À peine plus haut. Oh là, oui. C'était là? Bah, il était plus à droite normalement. Voilà. Bien. Tous calibrés pareil. Mais toi, elles sont quand même toujours bien postées. C'est bien leur poste, hein, ces farios. Hein. Pas un ombre, hein. On n'a pas touché un ombre là. Attends, genre, au milieu, c'était peut-être un nombre qui m'a refusé, mais... C'est autant qu'au Sedge, les truites sont relativement plus faciles. Là, il faudrait peut-être mettre une petite émergente ou... Tiens, devant là. C'en est un, ça? Oui. Tu vois, ben, celui-là, j'arrive pas à faire monter. Fini le parcours, là. Au-dessus, c'est joli. Là, moi? Oui, oui, tiens, je te le donne, ma canne. Hein? Faire. Je vais aller là-bas contre le... Oh là, je suis bien là. Hop là, oh, et puis il est bravo, joli. Un beau poisson. Ouais. Contre la berge. Ouais, il faut... Ils sont dans les caches. Mais en fait, je préfère 100 fois mieux des coulines comme ça qu'en pleine veine. Ah, mais complètement. Hein. Oui, oui. Mais toi, je pense que toi, quand on n'a pas beaucoup de lumière, c'est difficile de faire tous les bordures. On voit pas bien la mouche. C'est une fario. Une fario. Ben, placée comme elle est. Jean-Claude, je t'ai toujours... Non, la canne, le bras extériorisé, parce que là, pour casser des cannes, c'est top. Non, faut pas fumer, ça. Deux bras cassés. Regarde comme elle est belle sur le... Oh, oh voilà, mais dis donc... Elle est belle, hein. Elle est belle. Ah. Franchement, que les cannes, la canne n'est pas cassée là, c'est pas normal. Regarde, t'étais comme ça, et la truite était là, et t'avais un arc qui... En fait, une canne, c'est hyper solide, mais alors... Franchement, j'aurais presque pu t'annoncer qu'elle est cassée. Mais un beau poisson, hein, t'as dit donc. Et t'as vu vraiment sur la bordure. À ras du bord. Oh. À mon avis... Non, par contre, c'est pas simple. En face, à 30 cm de la bordure, soit les trois branches mortes qui descendent comme ça, oui. Et bien quasiment au pied. Il y a eu un beau gobage. Par contre, il faut détendre. Non, non, vas-y, je te laisse. Hein? Mais oui, parce que c'est quand même... c'est pas en bordure. Ben, c'est en bordure, c'est carrément... où ça descend, les branches descendent quasiment, il y a 20 cm près. Donc dans la retourne là-bas. Hein. Oui, mais pêche le fond du courant d'abord, parce qu'il faut qu'on s'approche. Parce que tu vas t'en voir pour... Là, il y a pourtant du courant. Hein. Oui, mais pas trop sur la bordure. Ta mouche, elle va draguer tout de suite. Je suis passé en bordure, elle était vraiment en bordure? Oui, vraiment quasiment au pied. Hein. Hop là. C'est pas... Je croyais que c'était la grosse qui montait, dis donc. Oh, un nombre. Un nombre. Allez, mon petit. Tiens, à la mouche. C'est bon, lâche. Les ombres, ils sont dans les fosses, hein, ils sont pas... T'as vu, hein, on n'en voit pas sur les plats. La rivière est peut-être descendue un peu trop vite. Ouais, sans l'oxygène, mais pourtant maintenant, en température, on est bien là. Hop là, voilà. Oh là là, coup de ligne. Avec pourtant le... Ah, les contre-courants, tout ça. Avec le courant qui passait devant, ben... Fallait pas lui poser... trop loin. Hein. Et c'est encore des farios. C'est encore une fario? Ouais, que des farios. Super, hein. Et par contre, toute maigre. Très, très longiligne. Hein, ouais. Ouais. C'est la deuxième comme ça que je vois. Enfin, il y en a une autre plus loin. Oui, oui, il y en a une autre plus loin. Tiens. Oh là là, bien. C'est pour arriver à faire pêcher la bouche. 3-4 secondes là-bas. Ça, c'est peut-être une arc. Hey. Elle est bien. Là, on était plus efficace. Hein, on était plus efficace. Ah oui, là, on a été. On a monté directement sur le. Sur le. Plus haut là. Ouais. Je suis d'accord avec toi, ombre. Je pense que c'est un ombre. Qui sélectionne. Ah oui, il est sur... Non, je le vois maintenant. Il est... Le poisson, il est juste devant, là. Plus ça... Il y est, c'est un ombre. Un bel ombre. Oh. Ah, il est beau. Ah oui, là... Ah, il est beau. Ah bah dis donc, c'est ton plus gros peut-être, non? Non, peut-être pas. Hein. Ouais, ouais, mon plus gros c'était 28 jusqu'à présent. Ah, il est beau, hein. Ah, il mériterait la photo celui-là. Hein. Attention, on n'est pas sur le côté. Bon, tu joues avec lui, hein. Waouh, 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 waouh. Ah, par contre, pareil. Hein. Toi, moi, quand je leur donne à manger, hein, Jean-Claude, ouais. Ils avalent. Regarde. Regarde. Loupé encore une fois. T'avais changé de mouche? Non, non, mais c'est pas la même. Elle était à 1 mètre à gauche. Là-haut. T'as entendu? Oui. Il devait draguer un tout petit peu et l'a pris en rapidité. Oh putain. Encore, c'est dingue. Et toi, elle monte pas sur toi. Regarde-moi ça. Juste quand j'arrache. Tu l'as eu? Non, c'est pas celle-là. Allez. Je vais mettre un 7, je crois. Hein. J'en reviens pas le nombre de faillots qu'on a fait quand même. Hein. 2-3 arcs-en-ciel, un ombre, tout le reste c'est des faillots. Encore une fario. Hop. Ah, ça c'est pas vilain. Tiens, je vais prendre ta place. Attends. Elle est pas très épaisse, mais elle est belle. Hein. Elle a une robe. Hop là. Il y en a une devant moi là. Là. Tu l'as eu? Oui. J'aurais pensé que c'était plus gros que ça. C'est pas ce qu'il y a gobé tout à l'heure. Encore fario. Ah. Ouais, joli. Beau poisson. Non, mais plus gros que les tiens. Oui, regarde ça où je suis allé chercher. T'as vu Jean-Claude? Pied du caillou là-bas. Carrément avec un contre-courant, tout pour draguer. Fario. Non mais dis donc, et puis c'est des beaux poissons. Et alors, hé, celle-là c'est une vache. Il était plus gros, là, hein. je suis super content. Là, des coulines que ça, c'est... Ouf.